Dans cette capsule, je te propose de comprendre la notion de conversion d'énergie ainsi que sa modélisation. L'énergie est une caractéristique d'un système. Cette énergie ne peut ni se créer ni disparaître. C'est pourquoi la diminution d'énergie d'un système entraîne forcément l'augmentation de l'énergie d'un autre système. On appelle cela un transfert d'énergie. Les transferts d'énergie peuvent se faire grâce à différents moyens, comme par exemple le transfert thermique qui entraîne une variation de la température, le transfert électrique, le transfert mécanique qui implique un mouvement et le transfert lumineux qui implique un rayonnement. Un convertisseur permet de transformer une forme d'énergie en une autre. En physique, on modélise l'ensemble des conversions et des transferts d'énergie par une chaîne énergétique. Prenons l'exemple de ce qui se passe dans les centrales thermiques et nucléaires, dont voici un diagramme de chaîne énergétique. Tu remarqueras que les réservoirs d'énergie sont représentés par des carrés ou des rectangles. Ici, les deux sources d'énergie utilisées dans ce type de centrale sont le pétrole ou le gaz ou le charbon pour la centrale thermique et l'uranium pour la centrale nucléaire. Ces sources d'énergie vont transférer une partie de leur énergie. Ce transfert d'énergie est symbolisé par une flèche. Il s'agit d'énergie chimique dans le cas de la centrale thermique et d'énergie nucléaire dans le cas de la centrale nucléaire. Ensuite, il va falloir convertir cette énergie. Je te rappelle que le but de centrale est de fabriquer de l'énergie électrique. La conversion ne va pas pouvoir être directe. Dans une centrale thermique, le convertisseur est une chaudière qui va convertir l'énergie chimique en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Cette énergie thermique sera alors utilisée par un générateur de vapeur, second convertisseur, qui fournira l'énergie mécanique nécessaire au troisième convertisseur, la turbine et l'alternateur, qui enfin produiront l'énergie électrique. Tous ces convertisseurs sont représentés dans des cercles. En ce qui concerne la centrale nucléaire, la chaîne est quasiment identique. Seul le premier convertisseur change, à savoir on n'utilise pas une chaudière, mais un réacteur nucléaire dans lequel on réalise la fission des atomes d'uranium. Tu remarqueras qu'à chaque convertisseur apparaît une petite flèche en pointillé. Cette petite flèche représente les énergies perdues. Et oui, en convertissant l'énergie, on n'a jamais un rendement de 100%. Une partie de l'énergie va se dissiper. On appelle cela l'énergie perdue, souvent sous forme de rayonnement ou de chaleur. Prenons un autre exemple, les éoliennes. L'éolienne convertit l'énergie fournie par le vent en énergie électrique qui peut ensuite être utilisée par une lampe. Essaye d'imaginer la chaîne énergétique. Voilà ce que cela pourrait donner. Le réservoir d'énergie, dans le carré ou le rectangle, c'est le vent. Ce vent va fournir une énergie mécanique, puisque ce vent c'est de l'air en mouvement, à un premier convertisseur, l'éolienne. Cette éolienne transforme alors l'énergie mécanique en énergie électrique. Et bien sûr, elle perd toujours une partie de l'énergie sous forme de chaleur. Cette énergie électrique peut alors être maintenant utilisée par une ampoule. Cette ampoule est aussi un convertisseur, puisqu'elle transforme l'énergie électrique en un rayonnement lumineux, donc dans une énergie rayonnante. Voilà, j'espère que le principe de la construction d'une chaîne énergétique n'a plus de secret pour toi. Si tu veux t'entraîner, tu peux essayer de réaliser le diagramme pour une centrale hydraulique et venir me montrer ton travail au prochain cours.